train de dire ou tu regardes? Écoute, là, c'est typique au Château Beaumont, avec des verres avec beaucoup de courbes et ça monte, ça descend. Fait que oui, t'as raison de te demander ce que je regarde, parce que je suis à peu près 20 pieds à gauche du trou, là, ici. Là. Parce que, honnêtement, ce pote-là est pas facile, tu sais. Non, visuellement, on dirait peut-être qu'on pourrait y aller en ligne droite, mais il y a vraiment l'effet de la montagne, la bosse qui est à mi-chemin dans mon courroulé. Fait que je me dois d'aller passer tout près de la frise pour avoir une courbe à partir de là où est-ce que là, ça casse carrément vers le trou à droite. Mais moi, là, des potes comme ça, souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais identifier, mettons, où je veux qu'elle meure, puis je donne la distance jusque-là, puis après ça, hope for the best, là, puis j'espère qu'elle roule jusqu'au trou. C'est en plein ça. Il ne faut pas avoir peur non plus de marcher, puis changer l'angle pour vraiment évaluer. Je vais aller l'autre côté aussi. Là, je suis déjà été, là, mais il ne faut pas avoir peur d'aller l'autre côté, aller voir comment est-ce qu'une fois rendu sur le dessus de la bosse, quelle courbe la balle va avoir. Fait que c'est sûr que moi, mon but, c'est plus le trou vraiment, c'est d'amener ma balle sur un point intermédiaire en haut de la côte, puis d'espérer que ma lecture à partir de là avec la pente va m'amener la balle au trou. Puis il faut jamais avoir peur dans des potes avec des grandes courbes. Il faut toujours en prendre plus large que pas assez. Ben oui. Parce que quand la balle meurt, elle se met à casser beaucoup. Puis si on a pris plus large, on va se rapprocher du trou. Si on n'a pas pris assez, la balle prend sa courbe, puis là, elle passe en bas de la ligne, puis là, elle se met à s'éloigner. Fait que tu vois ici, là, j'ai vraiment pas le choix d'aller chercher tout près de la frise, ben oui, d'amener ma balle en haut là, puis là, après ça, la pente va me l'amener vers le trou. Fait que tu sais, si on s'installe. Fait que là, tu vois, je suis en haut. Là, la balle prend la pente. Wow! Puis je viens mourir pas loin dessus. Il m'a manqué un petit peu de force, mais on a vu que la ligne était vraiment bonne. Mais pareil, c'est parce que, tu sais, la ligne est tellement mince entre tu l'envoies à bonne place puis elle continue avec la bonne force. On est quand même à 70 pieds du trou, là. Fait que la mettre à deux pieds, automatiquement, c'est pas toujours garanti, là. Oh. Ben, tu vois, t'es allé en prendre un peu trop sur la frise, ça t'a fait perdre ta vitesse. Ah oui, totalement. Fait que, mais c'est ça. À retenir, là, c'est quand on a des grandes courbes, faut pas avoir peur d'en prendre assez large pour... Ça m'a fait perdre ma vitesse, ça t'a fait gagner le skin. C'est bien maudit, cette affaire-là. Yes, mais regarde, on est capable de finir ça. Tiens. Oui, donc. Gaucher, esprit. Oui, donc. Presque. OK, là, fait qu'on va aller passer au prochain. Fait que... Mais on a quand même un match serré. Ah ouais, c'est bon, j'aime ça.